Hop, bonjour la rediff, bonjour Twitch. Du coup, ce soir, petit live sur Master Duel parce qu'hier soir, il n'y a pas eu de live. Pour des raisons évidentes de... Ça a été la merde. Pendant le live. En gros, j'ai été démotivé parce qu'il y a eu un... De Raider Follow Bot. Et ça m'a... Ainsi dire... Voilà. Du coup, sur notre plus joyeuse, go faire des duels. Ce qui me semble être le plus approprié à l'heure actuelle de maintenant. Hop, ready. Je suis graillé du chocolat, toujours ready pour le repas. Le Kaioshin et ta meuf. Non, je crois que j'ai loupé des paroles. Non, j'ai la flemme de le réécouter parce que de toute façon, je peux pas le réécouter maintenant vu que en plein live. Mais ouais. Musique très bien. Dragon Ball, le son des enfers, du rire jaune. C'était plutôt sympa. Hop. Et ça. D'accord. Alors, regardons quel type de deck il jouait quand même pour savoir. D'accord. Salut Boukoui! Comment vas-tu? Et bienvenue à toi vu que c'est la première fois que tu es là. Je me remets bien. Ça va, un petit peu enrhumé, mais sinon ça va. Ah, un deck Roquette. Pas charge Borel. Que fais-tu? Quoi de nouveau dans ta vie? Tout ça, on se connaît, la bise, tout ça, on se connaît, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu. C'est faux. Je ne sais pas quoi poser comme question. Mais voilà. J'espère que tu vas bien, comme je dis, tu m'as dit oui, un peu, ouais. Je joue un deck Generator actuellement. C'est actuellement mon deck le plus fort. J'ai techniquement d'autres decks faits, mais... Ils sont moins forts, ou pas finis, ou pas joués. Enfin, ou pas... Bref. Pas comment expliquer. Enfin, ils sont pas dans la méta actuelle. Ou faut que je les modifie, ça dépend. Du coup, là actuellement, c'est un deck Generator. Basé sur les monstres Generator. Où le principe, en gros, c'est d'invoquer des monstres de niveau 9. Bah là, actuellement, je peux pas te montrer vu que c'est pas mon tour et que j'ai pas la carte qu'il faut. Mais en gros, le principe du deck, c'est. Tu fais piocher ton adversaire. En gros, tu as la magie de terrain que je n'ai pas actuellement en main, qui quand l'adversaire pioche, te permet d'invoquer un monstre. Généralement, après, t'invoques, je sais plus son nom, mais en gros, il peut invoquer un autre Generator en sacrifiant le Generator. Et quand en fait, quand t'invoques un monstre Generator dans le tour adversaire, tu peux invoquer des jetons. Ces jetons servent à être sacrifiés pour activer les effets de démon Generator, donc l'effet de l'Ops. Je crois que c'est l'Ops. Ah bah voilà, la magie de terrain, on en parlait. Je vais activer ça. Et en gros, quand il pioche, je l'invoque et le but c'est ça. Hop. Petit maillet magique. Parce qu'en gros, avoir des monstres en main, c'est la pire idée. Vu que c'est généralement que des monstres de niveau 9. Et après, c'est t'empêches l'adversaire de jouer, mais gentiment. Genre, c'est pas il peut plus rien faire, c'est tu l'empêches une fois de jouer et puis c'est tout. Voilà.
là j'ai fini mon tour, j'ai un bon tour, j'ai activé la magie de terrain, j'ai fini mon tour. Il vient de piocher, du coup je peux invoquer l'optre, je me suis rappelé son nom, hop. Et comme j'ai invoqué l'optre, je peux invoquer des jetons. Valable uniquement durant le tour de l'adversaire, et pourquoi est-ce que d'un coup il peut faire un effet? Et pourquoi j'ai eu un petit lag? Je ne sais pas. Alors, point faible du deck, Nibiru. Parce que en un tour, l'adversaire il peut invoquer Nibiru durant son tour. Donc, c'est un peu chiant. Mais ouais. Alors, je vérifie juste pourquoi ça a lagué. C'est peut-être juste parce que j'ai pas fait grand chose. Alors, j'espère que mes explications ont été claires. Normalement, oui. Alors, généralement, on invoque Ar. Mais je vais en invoquer un autre, je pense. Oh, fils de ta grand-mère! J'avais pas le générateur qu'il fallait. Du coup, tant pis. Du coup, là, je suis dans la merde. Voilà. Du coup, là, je souhaite Bazei. Ouais, il y a quelques Xyz. Je joue des Xyz. Je te montre un extra deck, je peux. Alors, le chat a 9 vies qui permet de réinvoquer depuis le cimetière ou du cimetière adverse, qui est cool. Le boss generator, Jormungand. Le roi véritable de toutes les calamités. Vu qu'il est niveau 9, donc je peux l'invoquer. Dragon Heart, je l'ai mis parce que c'est sympa. Et laisse-moi voir mes cartes, mec. Et Sir Dyson aussi. Voilà. Et après j'ai mis quelques liens, mais c'est vraiment occasionnel. Mais oui, je joue des Xyz. C'est un deck Xyz techniquement. Même totalement un deck Xyz en fait. Hop, Fête fantôme. Il va très certainement invoquer Axe Codeur. Il peut 3, il a 1, 2, il peut utiliser 3 fois la Skylax Scooter. Ok. Il va pas invoquer son accès codeur de mort. Ok. Photon Galactico, ouais, je vois, c'est. J'ai un pote qui joue. Putain, le hockey, pas le mal de gorge qui débarque. Je sais plus parler. J'ai un pote qui joue aussi Photon. Qui joue aussi Photon Galactique. Avec Photon. Et j'ai déjà affronté. Les decks sont à peu près au même niveau. Bah c'est de la merde, par exemple. Alors ce qu'il me faudrait là en fait actuellement c'est d'autres cartes. Il me faudrait je sais plus comment elle s'appelle. Le générateur le générateur. Non, c'est la salle de boss. Je crois, je ne sais plus. Haché. Tu t'es fait baiser ta propre carte. En vrai, ça te forme, mais ça fait pour faire un détail de départ. Ok, ouais. Ouais, je vois. Tu t'es fait baiser ta propre carte à cause de ton Enifinir, mais. Salut Xeno. Bah, ça fait des duels. Hein. T'as essayé de gagner. Oh non, j'ai perdu de l'attaque. Ça va rien, hein. C'est bon, si vous avez 3000. Aïe, je tape. Yep. Ah. Je suis donc in the fucking merde. In the sauce. Parce que là, je peux plus rien faire en fait. J'étais obligé de le sacrifier parce que. Pas le choix. Mais ouais, il va l'annuler. Voilà.
Et il va très certainement annuler des faits au prochain tour. Donc là, c'est l'exemple de la main, elle me baise. Ouais, il y aura. Je pense, je vais. D'habitude, je le fais dès que les gens ils sont là, mais là, je pense, je vais attendre. À 20h. Bah, là maintenant, il y a. Les défis sont réactualisés, remis à jour. Du coup, je. Voilà, il m'a baisé. Je vais faire 2-3 défis histoire d'avancer dans les défis. Si je les finis pas, c'est pas grave. Mais après, go jouer, contrôle des gens. Je peux rien faire donc dépêche-toi s'il te plaît. Merci mec. Voilà. Hop, allez. J'ai pas regardé c'était quoi les défis. Alors, les défis, quels sont-ils? Là, j'en ai accompli un défi. C'est de me connecter. J'existe, apparemment. Déclarer une attaque. Facile. Puis j'ai des dommages. Chiant. Invoquer spé. C'est ce que je fais avec mon deck là, donc. Alors, je vais juste me permettre de regarder des lives. Parce que c'est toujours marrant, quand même. De voir des decks. Après, si t'es du point de vue d'un deck cancer, c'est un peu pas ouf. Alors je sais que la technique tu peux quitter instant, hein. Mais c'est toujours intéressant de voir des duels, surtout quand c'est des decks que tu connais pas. Ah tiens, j'ai exploité le succès duel live, pourtant j'ai pas... Ah c'est buggé. Ah là là, c'est buggé. Une erreur s'est produite sur le serveur. Ok. Ah bah c'est buggé. Ah bah ça marche bien. Non, il avait pas dit qu'il y avait une maintenance un jour prochain. Feature introuvant quand on mesure tout déconnectant durant le 28 avril. Ok, non, on n'est pas le 28. Duel. Eh ben, va te faire foutre. Est-ce que je peux créer un lobby? Temps de duel long. Effectif de la salle 250. Non, je vais juste mettre 20. Hop, recrutement. Normalement, on peut rejoindre avec les codes. Créer la salle. Ok, c'est bon. Du coup, l'idée. D'ailleurs, Xenokira, si tu es encore là, n'hésite pas à rejoindre. Hein. Même si je sais que ça fait un petit moment que t'as pas joué. N'hésite pas. Moi qui voulais faire mes défis avant de jouer contre les gens, ben. Ben nique. Mais tant pis, c'est pas grave. Le destin en a voulu autrement. Bouki, très bien. Let's go. Une erreur s'est produite. Ok. Bon. Eh ben, je vais redémarrer le jeu. Parce que, je sais pas, le jeu, il va te faire foutre. Ouais, t'inquiète. Je redémarre juste le jeu. Parce que pour une raison que j'ignore, ben, je vais me faire foutre. Ouais. Ça doit être moi. J'ignore pourquoi, mais c'est bizarre. Alors, est-ce que tu peux capturer le jeu? Oui. Bizarre. Faut récupérer ça. Hein. Il me manque que 5 niveaux. Ben, merci pour le follow, Bookie. Bookie. Je sais pas comment on dit, Bookie. Je veux dire Bookie vu qu'il est marqué Bookie. Merci! J'ai été surpris, j'ai eu peur. Je m'attendais tellement pas. Bookie. Ok.
Ton message là, il me fait penser qu'à un moment je répondais à un pote sur le live d'un pote. À un moment, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai écrit ce que je voulais, mais littéralement à l'envers. Genre, je voulais écrire. Je sais plus ce que j'ai voulu écrire. Ça a écrit totalement un truc incroyable. C'était totalement ce que j'ai écrit, mais dans toutes les lettres étaient inversées en gros. Genre, c'est genre, je marque encore, mais. ER. Comment ça s'écrit encore? Comme ça. Genre. Et j'ai mal écrit encore, mais c'est pas grave. C'est en queer. Mais c'est en queer si. Hein. Oula. Je crois que tu es en on. Il fait donc partie de ce genre détestable qui se trouve en on. Je déteste quand les gens ils sont en on. Surtout quand ils ont désactivé des peur. Ah, mon petit niveau 9. Et je vais ajouter ça. Je ne dis pas ce que j'ajoute parce que même si tu je ne sais plus conscience pour pas que tu regardes. Je ne veux pas que tu entendes ce que je dise. C'est quoi on? Merde, je sais plus. Tiens, va-t'en toi. Va-t'en. J'ajoute ça. Et j'ajoute ça. Ok. Y a intérêt sinon conséquence. Bannez-moi ça les bonos. Quoi? Ok. Ah oui, pour en bas, enfin je sais pas ce qu'il y a sur PC, mais en gros, pour le fait de faire une chaîne quand il y a un effet qui peut s'activer. Normalement, moi je le laisse en auto parce que comme ça s'active que si j'ai vraiment un truc à faire. Mais y a des gens ils sont on et du coup, dès qu'ils, quand ils ont un truc en main, genre Cancrelat, Floraison ou d'autres trucs de mort, en gros ça fait. Genre t'attends qu'ils jouent en gros, et c'est chiant. Et du coup, tu viens de piocher, donc je peux activer ma carte magie. J'explique un peu en même temps, sans te dire ce que je fais. Bon, en tout cas, ça, je pense que tu l'as compris du match de tout à l'heure. Sauf que j'annule. Tu ne vas pas piocher. Tu vas piocher qu'une carte. Non, va-t'en. Mais ouais. Après, en soi, c'est pas grave, mais. Oh, bien, bien, bien. Après, c'est magnifique, c'est parfait, j'aime. Voilà. Donc là, main de départ, parfait. Je sais qu'une fois j'ai gagné un duel alors que j'avais en main que des monstres de niveau 9. J'ai littéralement rien pu faire pendant le premier tour. D'ailleurs, je précise évidemment, j'ai oublié, mais c'est en BO3. Du coup, après, évidemment, s'il y a personne. Pour refaire des duels, évidemment. Mais en BO3 sinon. Pour les one au BO3. Je précise, je ne peux annuler qu'une fois un effet en sacrifiant de monstre. D'ailleurs, c'était quoi son effet? Bon.
A été invoqué spécialement, vous pouvez obtenir vos photons de votre main. Pas fini de lire. Montrez-le qu'il y a Ok. Cela est triste, car ça m'arrange. Donc c'est pas triste en fait. Oh non! bah honnêtement, je pense aussi. Car j'ai actuellement ma stratégie est parfaite. Non, en vrai, je vais pas jouer par exemple, je vais éviter de... enfin, je vais peut-être quand même le jouer, mais je vais éviter de trop le jouer roi de la calamité. Parce que même s'il est fun, il est quand même très très fort. Surtout qu'on est là pour s'amuser. Car s'amuser, on aime. Je vais prendre... wow. Du coup, je vais invoquer le petit boss. Position de Tatakai. Je vais activer son effet. Je détache le matériel. Et je vais lui donner comme matériel lui. Tu vas me donner du coup un matériel à toi aussi. Donc la carte que tu as piochée, une carte de ton terrain ou de ta main. Pour l'attacher en matériel à mon petit Jormungandr. Tu m'as donné quoi? Ah, et comme tu viens de piocher, je peux activer l'effet de art. Et comme tu viens de piocher, je peux activer l'effet de mon terrain. Hop, alors. Qui vais-je invoquer en mode attaque? Toi. Bon, je ne peux pas invoquer de jetons vu que je l'ai invoqué durant mon tour. D'ailleurs, truc à savoir, dans ce combo-là, c'est faut d'abord activer l'effet de art, sinon il va annuler. Sinon, quand tu vas activer son effet, c'est pour annuler l'effet du niveau de boss. Ce qui n'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas annuler l'effet du niveau de boss. Puis c'est tout, hein, je vais attaquer. Oui. Je dis non. Mais en vrai, j'aimerais bien tomber contre un deck Generator. En vrai, ça doit être marrant à affronter. Généralement, les duels en mode. Les duels. Aïe. Ah! Mon nez. Les duels miroirs, généralement, c'est fun. Non. Tac. Pourquoi j'ai des messages, là? Hop. Hop. Donc, en vrai, le deck, il est simple à jouer, en vrai. Clairement l'un des decks les plus simples à jouer. Ouais, c'est un deck contrôle, mais en vrai il est quand même contrôlable. Genre tu baises le niveau de boss, c'est bon, t'as gagné. Je réinvoque lui. Et au passage j'active l'effet de. Non, va, attends-toi, t'es moche. Hop.
Je te contrôle. Tu n'as pas le droit de piocher. Tiens. Ils ont pas d'effet. Éclaté, y a pas de souci. Ça me permet de m'enjailler sur la musique. Alors, hop. Le épaissifère, il fait quoi? Il va partout de ça. Puis il sublime, puis là. Ok. Alors je vais vite faire. Bon, je répondrai. Je refuse. C'est non. Le bot amérindien. Ok. Je refuse. Tu viens de piocher, donc tu vas devoir envoyer un monstre de ta main ou terrain au cimetière. Et comme t'as pioché, je peux aussi invoquer un monstre. Et je vais invoquer. Alors lui, il peut bannir en sacrifiant deux monstres. Je peux bannir une carte sur le terrain. Ok.
Le X-Cipher. Alors, c'est quoi? Il a qu'un seul matériel, donc je n'ai rien à craindre de lui. Enfin, en termes d'attaque, si, mais sinon, non. Car oui, il est important de lire les cartes dans ce jeu. Profite pour répondre à des messages, hein. Enfin, j'espère que tu m'excuses pour ça, hein, mais... Le Tachyon... Bon, allez, si. Pas le temps de niaiser. Va-t'en. J'ai jamais fait ce que je fais, mais on va voir. Ok. Oh. Ouais. La technique de base, techniquement. Enfin, c'est le truc de base du Dragon Froton, hein. C'est comme ça qu'on le voit dans l'animé. Il bannit le monstre adverse. Bon, du coup. Mon grand est un peu inutile actuellement. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Ok. Bah, moi aussi. Hein. Compliqué. Là, la situation est stressante pour moi. Je vais ajouter ça. Je vais invoquer. Je veux pas l'invoquer parce que sinon ce serait trop facile. Passons. Ok. Si je veux le rabouquer.
Que vas-tu attacher comme carte à mon monstre? Arcati choisir. Ok. Hop, je vais invoquer. Hop, j'active l'effet. J'invoque deux monstres. Non. J'invoque toi et toi. Et en fait, j'ai la solution. Est-ce que je joue le beau jeu ou est-ce que j'en finis? Beau jeu ou j'en finis? Beau jeu. Bah de toute façon dans les deux cas c'est. Bon, allez. Bah en fait je pouvais invoquer Dragon Earth Earth qui fait qu'en gros tu prends les dégâts à ma place hein. Mais au final j'ai juste décidé de détruire ton monstre. C'était plus beau. C'était plus poétique. En vrai c'est moins dégueulasse que Dragon Earth Earth. Alors je vais juste me permettre de répondre à des messages. Parce que c'est important. S'il te plaît tu peux charger. Bon, ça veut pas. J'ai fait. Hop, hop. Putain. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Non, je vais pas faire ça, voilà. Hop. Hop, commencer le duel, BO3. Ah, en vrai. Attends. J'ai annulé. Tiens, regarde la decklist. C'est pas ça, ça c'est renoncé, ça n'a rien à voir. Sinon je l'en ai pas longtemps. Ah, je mets la decklist rapide, hop hop, clic, hop hop hop, c'est bon, j'ai fini. J'étais beaucoup trop rapide. Mais ouais, en vrai il est cool. Et le pire c'est qu'à un moment je me dis, vas-y je vais faire un deck generator. Parce que le deck a l'air intéressant et tout. Et littéralement... Un peu avant que je le finisse, ben j'affronte un deck qui utilise des cartes Generator. Sauf que c'était un deck que je crois le mec a essayé d'être cancer, genre j'annule tes effets et tout, sauf qu'il a pas réussi et voilà. Je joue en premier. Messages. Alors les noms des cartes, bah déjà Kate Bosch Generator. Je vais renvoyer dans mon deck Ar, Bosch Generator des Tempêtes. J'ajoute à ma main niveau de boss Generator. Et j'ajoute aussi la salle de boss Generator. Voilà, c'est pas grave si je dis les noms hein, vu que c'est affiché. Hop. J'active monstruosité de l'héritage du monde. J'invoque spécialement un monstre de niveau 9 depuis ma main. Je choisis Utgarda en position de défense. Salut Reveiz. Et je vais poser. Non, il peut faire quelque chose. Oh non, ma stratégie va-t-elle être annulée? Illusionniste défait. Non.
Comment vas-tu, Revise? Et bienvenue à toi, vu que c'est ta première fois. Réveillé. T'avais pas vu le L là. Non, c'est un R ou c'est un F? Ah! Toi aussi, donc tu joues Generator. Enfin. Je ne sais pas si tu le joues dans, en tout cas dans Master Duel. Mais ouais. Et tout à l'heure, je disais justement que j'aimerais bien faire un match miroir contre un deck Generator. Ça peut être intéressant. Mais ouais. Un deck nordique. J'en ai jamais vu dans Master Duel en vrai, ça doit être trop bien. J'invoque lui. Du coup, si tu veux, je peux te donner le code de la. Je te donnerai ça le code. Quand j'aurai fini mon tour, enfin de jouer. Pour que, si tu veux, tu puisses nous rejoindre. Ok, ok. Pas de soucis. Pas de soucis, hein. Tu peux le copier. L'idéal serait que tu le modifies un peu à ta sauce. Genre tu prends mes cartes et tout, genre t'as la base et tout, mais tu fais tes propres trucs. Ça peut être, c'est pas, je trouve ça vachement intéressant. Et les mains de merde sont des choses qui arrivent. Absolutely not a problem. Absolutely. Non, je vais pas activer son effet. Alors, tu construis un deck qui combine les trois, ou un deck qui est où juste tu fais les trois. Parce que je sais qu'à un moment j'avais voulu faire paléozoïque. J'ai pas. Je crois au final j'ai abandonné l'idée parce que j'avais la flemme. Pourquoi j'avais la flemme, mais ouais, ok. Un chaque d'une brume, j'ai vu un peu à quoi ça ressemble. Il hein, y avait le qu'il y avait dans le mode solo Pantoruse. Je sais pas si c'est bien, sûrement. Et Paléozoïque, comme j'ai dit, j'avais essayé et au final, j'ai eu la flemme, mais ouais, j'ai pas annulé ton essai. Hein. Je sais plus si j'ai mis mon storyboard dans mon deck. Y a pas de raison qu'elle y soit pas, hein, mais normalement elle y est. Les trois decks que j'ai en physique, je. Ok. Tu viens d'ajouter une carte à ta main depuis ton deck. Tu dois donc envoyer un monstre depuis ta main à ton terrain, au cimetière. Tu es tombé dans ton propre piège. Allez, les arcotons. Non, je vais te laisser faire. Sinon, c'est pas drôle. Na na na. Même si pour le moment je joue que mégalith. Ok. Alors de ce que j'ai vu, c'est. Ça a l'air un peu compliqué de jouer mégalith en vrai. Enfin après je sais pas, hein, je le joue pas et tout ce que j'ai vu c'était le mode solo. Je sais pas si c'est si bien que ça, mais sûrement. Hein. Ça doit être jouable en vrai. Ah, et ce sont des choses qui arrivent malheureusement. D'ailleurs, je viens de voir en fait la rediff du chat. Genre, elle est littéralement sur mon pseudo, donc on voit absolument pas le chat en fait. Je vais le mettre là.
Faudrait que je puisse mettre un fond, mais je sais pas comment on met le fond. C'est chiant. Ici, ouais. Un petit peu plus gros. Voilà. Yep, bah je termine mon BO3 contre Bookie et franchement vas-y. Je te passerai le code, bah, je vais te passer maintenant. Hop. Il a la soluce. Tu étais des luttes, c'était toi. Ouf, ouais. Na. Alors je précise évidemment que je n'affronte que ceux qui se sont manifestés dans le chat. Si jamais il y a des viewers inexistants, parce que je vois, j'ai vu en même temps qu'on était 7 spectateurs. Ce qui fait qu'il y a au moins des personnes qui ne parlent pas. Alors je refuse de vous affronter, car je suis pas gentil. Tu as 10 minutes avant avant ton deck pas de soucis. Vas-y, prends ton temps. Je pense du coup bah quand à moins que si Bookie gagne, elle laisse le temps de faire le BO3. Sinon j'irai vite faire un duel en ligne pour mes défis. Hein. Comme ça, voilà. Mais je pense qu'il y a moyen que tes 10 minutes elles passent vite, sûrement. Elles vont sûrement passer vite. Peut-être juste me servir à boire. D'abord faire charger ma chaîne. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Attends. Actuellement en train d'essayer de comprendre ta solution. Je ne comprends pas. Alors, alors, comme toi. Nanana. Na. Ok. Alors, honnêtement, j'aurais pas fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas con. C'est clairement pas con. C'est une stratégie qui se tient. Hop, je pioche. Quête de boss. Te réveille. Utgarda. Je prends lui. Hop. Ouais. Euh.
Ma stratégie est bancale. En plus, j'aurais pu faire un de ces trucs, je pense que j'ai oublié. Ah, ok. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, ça m'aura. Oula. Ça m'aura arrangé d'avoir une autre carte. Andrew. Quête de boss. Mais ce n'est pas grave. Ok, lui. Sinon, ça va être pour ça. Aïe. Notre cimetière, rien. Cimetière, j'ai des trucs bien. Ok. Ce que je vais faire n'a absolument aucun sens. Hop, et je vais réinvoquer. Ok, donc c'est ce que ma stratégie a encore moins de sens vu qu'elle peut pas marcher en fait. Pas dû faire comme ça. Yep. Le chat a 9 vies qui permet de ressusciter. Et Ella qui peut du coup bah ressusciter aussi. Hop. Na na na. Hop, et je vais invoquer celui que tu crains tant. Ah, une garda. Car oui, je suis raciste. Quoi? Il n'y a aucun rapport avec ça. Et pourquoi pas? Merci. Ça venait du cœur, ça se voit. Hop. J'active l'effet du chat à 9 vies. Lâche le matériel, attends. Et je vais réinvoquer ton propre monstre. Non, je déconne. Je vais quand même être un minimum poli. Je vais t'achever avec mes monstres. De retour en mode attaque. En mode attaque. Toi, activé. Hop, tu te sacrifies lui-même. Non.
J'invoque toi en mode attaque. Pas de soucis. J'invoque spécialement. Attends. 6100, 7000. Ok, donc il faut juste 1000. Attends. Ça fait 3900, 4000. Ok. Ah merde, cancel. Ma strat c'est, il va être sympa, il va pas buter lâchement, bon seulement qu'il veut même pas faire son effet. Mais, je vais t'expliquer un truc. Je ne suis pas sympa. Ah oui, carrément une coupe pour deux courants quand même. J'attaque avec le chat. Avec Ar. Hop, j'attaque avec Nagf, je sais pas parler, et avec Jormungandr. Je ne suis pas sympa comme je l'ai dit. Voilà. Et du coup, Revisor, tu arrives pile au moment de fin du BO3. Du coup, je te redonne le code. Yep. C'est le genre de choses qu'il vaut mieux savoir. Pourquoi j'ai des mentions? Hop, qu'est-ce que. Pourquoi il me parle? J'ai le Goku, général, le 1. En attendant, je te donne ma decklist. Non, c'est pas Exodia ma decklist, c'est Generator. Voilà. Donc je te laisse regarder. Je ne décris pas les cartes, hein, je te montre juste. Donc là, Mardel, Prodi, Dovelgus, Nacleflar. Bordel, les noms ils divisent. Nidog. Et là, Targa, Ar. Ah oui, j'ai bien mon storyboard. Le petit pot, maillet magique, la quête de boss qu'il faudrait que je mette en 3 fois et que je vire un maillet magique. Malédiction 8 de Jikiri. Okay. Yep, bon League of Legends de Xeo. La magie de terrain qui est essentielle, mais je suis quand même content car le match était cool. Le deuxième game, j'ai vu beaucoup de chance. Ok, pas de soucis. Bah du coup, si tu t'en vas, bah, bonne soirée à toi. N'hésite pas à repasser, hein. Monstruité de détachement, combat de boss, la mort morsure et la salle de boss après les Tradec, micro 9, 92, revitable. Lui, et tout ça, parce que pourquoi pas. Voilà. Hop. Hop. Ah, ok, pas de soucis. Sont des choses qui arrivent. Ah, ton invite se lance pas. Ouais, casse-toi, va-t'en là. Eh oh, hein, voilà, non mais oh, hein, voilà. Est-ce que tu t'es pas trompé dans les chiffres? Il manque 3 chiffres. Ah non non mais ça c'est mes codes les votes perso. Non ça il faut que t'ailles dans match amical, match en salle et que en haut t'as rejoint les chiffres. Voilà comme ça tu rejoins la salle directement. C'est, je t'ai donné le code de la salle comme ça tu peux nous rejoindre. Évidemment ça c'est mon code à moi. Voilà. Je changerai pour autre chose quand j'aurai autre chose. Parce que j'aime pas le pot de cupide. Enfin, je suis pas ouf pour le pot de cupide. En vrai l'endroit où j'ai mis le chat il est pas ouf en vrai. Bot de chat.
Est-ce que genre, je mets le chat en plein milieu? Genre le truc bien gênant. Je vais mettre un truc genre comme ça on dirait c'est comme ça on dirait c'est Yugi qui parle. Yugi juge le chat. Du coup je présume que c'est toi Brice. Du coup je vais aller en salle 2 si c'est toi. Vu que Bookie n'a pas l'air de bouger. Ah voilà, je rejoins en salle 1. Hop, commencer le duel. On va dire ça avec elle. Ah. Bon. Du coup BO3, hein, comme j'ai comme pour Bookie. Votre adversaire a quitté la table. Ah. Ah mais bon, on reste table 1. Pas bouger. Ce sont des problèmes. Ok, c'est bon. Il est temps de manger. De manger du dieu nordique. Je suis joué en premier. Hop. Main parfaite, j'ai les deux cartes qui vont. Je pense pas refaire des parties, puis j'ai fait des parties. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, Ah, du coup, tu veux qu'on arrête le duel là maintenant ou on termine celui-là et on peut dire qu'il compte pas pour le BO3 si jamais. Ok. Si tu veux, je peux ne pas le compter dans le beau 3, je te laisse choisir. Ah, tech pendule. En vrai, ah, ça va être un deck Zark. Un deck Zark, ça m'intéresse en vrai. Affronter. En vrai non. Enfin, c'est rare. Mais en fait, j'ai des potes, ils jouent plein de decks pendules. Donc, en fait, c'est rare. Mais pas trop. Ok, oui, ça c'est, oui, ça je connais. Zio Impair, c'est plus rare que Zark. Ça c'est sûr. Oui, non, vieux impair il est vraiment très rare. Zark il est beaucoup plus fréquent, mais il est quand même très rare à trouver. Alors, par contre, quand tu viens d'ajouter un monstre depuis ton deck à ta main, tu dois envoyer un monstre depuis ta main tout terrain au cimetière. J'ai l'impression que c'est plus souvent des decks joués entre potes, ces decks vieux impairs. Pourtant, ils sont très forts les decks vieux impairs. Source, le pote qui joue vieux impairs. C'est un pro vieux impairs. Ouais, toi aussi, tu joues à vêtements. Enfin, pesanteur. Pas à vêtements.
peux les laisser. Tu vas l'augmenter, voilà. Tu vas sûrement invoquer Roi Suprême, le Dieu Impère Roi Suprême. Je vais vous laisser maintenant, bon live et bon match. Ok, pas de soucis, à la prochaine, passe une bonne soirée. Et bon ce truc qui fait que tu ne restes pas. Ah non, dragon pièce porte artiste. Et je le connais pas, ça va être très certainement. Ça va être très certainement une synchro 7. Semblera logique. Ah! Ok, non, en fait, ok, j'ai confondu les messages. Mais ok, donc c'est yeux impairs, yeux impairs. Ok. Désolé pour ça. Ok. Je suis bourré. C'est pas nouveau. Je suis évidemment pas d'accord. Excuse-moi, j'ai juste pas fait gaffe. Ça m'arrive d'être bourré. C'est même moi en général, je suis bourré. Oh, le sorcier. Battle. Ok, je vois. Alors, tu vas utiliser flamme pour détruire une de mes cartes ou pour rajouter une carte? Ok. Évident. Hop, activation d'effet. Envoie-toi. Hop, quête de boss. Non. Tac. Leur prendre. Ça. Oui, et je vais reprendre ça. J'active. Et je maillet magique.
Certes, une seule carte, mais c'est toujours utile, on sait jamais. C'est sympa, j'aime bien. Je l'active un peu le poulet. Et je vais... Une phase. C'est ton tour. Et évidemment, on espère que la personne en ambulance ne survive pas. Hop. Hop, à partir de là, je vais invoquer. Je vais invoquer. Il est où? Il est là. Position de death. Oh, lui, il fait quoi? Tous les monstres dragons que vous contrôlez. Qui a intérêt. Ok. Échelle 1 et échelle 10. Ah oui, c'est genre définitif. C'est pas mal. Ok. Je ne fais rien. Ah, ça a pas baissé. Ah, c'est bille. Je vois. Je viens de toucher d'envoyer un monstre depuis ta main ou ton terrain au cimetière. Et je vais invoquer un monstre. Hop. Tac. Ah, l'écran va s'éteindre. Ah. Pas de bol, du coup, t'avais pioché un monstre. Pour arranger que ce soit l'un de tes monstres qui soit détruit. Oui. Du coup, il est détruit. Ou pas, non, non, c'est jouable. Battle. Plus, comme c'est pas un jeu impair, il va pas être affecté. On va pas utiliser l'effet de fin du l'arc. Le fin du tour. Du coup, je vais réinvoquer le dernier. Hop.
Non. Lui. Hop. Je vais invoquer elle en mode défense. Voilà. Donc il ne peut pas attaquer. Enfin, il peut attaquer, mais ça va être plus difficile. Activer de magie piège, mais je peux quand même activer les effets de monstre. Ouais. Bon, au final, ça change rien. Donc, il a quand même pas assez de défense. Mais bon. Ceci n'est pas grave. Je peux peut-être réactiver son effet. Je ne sais pas, je crois pas. Voilà, je peux pas utiliser son effet. Et qu'une fois par tour. Et ce... ah. Merci pour le photo, follow Adrien. Salut, comment vas-tu? Et en plus, c'est la première fois que tu viens, donc bienvenue à toi. Ouais, il est gênant. Mais... en fait, je laisse faire. Hop. Okay, pas détruit, mais au moins t'as pas réactivé son effet. Toujours une bonne chose. Ah, le Crown Crobat a posé problème. Oh la révolution, j'aime pas trop beaucoup ce que tu prépares. Pendule. Quatre cartes, vas-y. Hop. Ça va et toi? Ah, tant pis. Ça va, ça va. Hop, j'active l'effet. Ok, c'est bon, il m'en reste une. Hop, j'invoque mon armée. Hop, hop, et hop, active l'effet, je réinvoque lui, hop, en mode défense, na 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 na. On est déjà au tour 8. J'ai oublié, j'ai cliqué, du coup ça a annulé l'animation. Ok. Sûrement invoquer celui qui est en main. Ah non.
Ah bah si, sûrement. Je vais me permettre de faire ça. Hop. Joue des decks atypiques comme Fantourius, Despire déchu ou Malissant. Ok, ok. C'est des decks assez assez. Enfin, Despire Ange déchu très très joué. Magicien sombre aussi. Despia déchu et Magicien sombre, c'est assez joué, j'ai beaucoup joué. Fantourius, c'est un des decks que j'ai vraiment pas vu beaucoup en vrai. Ah, venin affamé. Je sais donc ce que tu vas faire. Et je ne suis pas d'accord. Je dis non. Venin affamé roi suprême, très très fort. Mais malheureusement, voilà. GG. Tu peux, voilà, merci. Du coup, je te laisse si tu veux. Ton deck nordique, vu que tu voulais jouer nordique. Toi, si tu veux continuer avec ton deck le BO3 avec ton deck jeu impair, c'est comme tu le veux. D'ailleurs, Adrien, si tu veux, je peux te passer le code pour que tu puisses nous rejoindre. Et d'ailleurs, si tu nous rejoins, je pense que tu seras le dernier BO3 de la soirée. Vu que je commence un peu à fatiguer. Enfin, fatigué. Ça fait longtemps. Ça fait au moins une heure que je stream, du coup mon. Ok, ok. Je vais prendre un autre deck comme ça au moins. Ce sera moins. Alors contre Mégalith, j'ai quoi contre Mégalith qui peut être sympa sans être trop chiant. Prendre lui, allez. Hop. Commencer le duel, voilà, merci. Ça voulait pas cliquer. Pour Adrien, si tu en fais. Ouais, ok. Donc, par contre, je termine le BO3 avec Revaser. Puis, je te BO3, puis ce sera le dernier de la soirée. Ok. Alors, je m'étire. Juste un peu parce que j'ai mal. Ok, ok. Je joue Make Lord. Hop. Peut-être pas dû mettre lui, c'est pas grave. Hop. Yep, je sais, j'ai vu. Hop. Yep. C'est juste, j'étais en BO3 contre Revaser. Du coup, je termine juste le BO3 avant de t'affronter. Mm-mm-mm.
Hop, end phase. C'est une joue ajoutée à un monstre, c'est d'ailleurs mieux que... C'est beaucoup de monstres, pas beaucoup de magie piège il me semble pour les mégalithes. En tout cas, pas besoin vu qu'il peut utiliser leur effet. On va servir à boire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ajouter un monstre rituel de mob. Alors, je vais quand même pas te laisser jouer hein. On est adversaire. Plus de mégalithes. Ok. Fiel. Ok. Je vois. Alors j'invoque lui. J'active son effet. Je peux activer donc un effet. Alors le noyau il me permet d'aller tuto une magie piège Meglord. Et puis mon deck en ma main. C'est bien. Ok.
Je vais prendre l'assemblée Meclord. Ok. Ok. Je vois, je vois. J'active l'assemblée. Ok, il a invoqué qui hein. Enfin, d'ailleurs, c'est qui qui l'a ajouté? Oui. Ok. Git. Oui, je vais ajouter la carte désignée depuis mon deck à ma main. Mais en fait. Réfléchir. Soit j'invoque lui. Ouais, je vais prendre Triskelion. Ok, du coup, pourquoi je peux pas l'invoquer lui? Parce que ce n'est pas une machine. Si, en fait. Je sais pas, bref, j'active l'effet de l'assemblée. Des phases 2, lui. Détruit lui. Parce que c'est comme ça. Qu'est la vie. Hop. Ok. J'invoque Triskelion. Je bannis toi, toi et toi. Position de Tatakai. Hop. En tout cas, ce qui est sûr avec le deck Megalith, c'est qu'il est très très long. Ça, on ne peut le nier. Alors Bétor, il fait quoi Bétor? Inférieur ou égal? Ah, c'est pas le bon. Il en a deux. Ok. Ok. Du coup je vais. Je vais être dans la merde un peu. Passion d'effet. Cet achat. Je vais rechercher un. Lui. Oui, je vais taper. Une phase.
tour. Ok. J'ai besoin de voir, mégalithe informe. Aïe. Hop. 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 Je me dévote de ça. Et je récupère mon triskelion. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Ah, je peux enfin les invoquer. Invoquer. Hop. Hop, hop, hop. Position d'attaque. Ok. Ok. Hop, je vais faire ça juste.
Hop. Et je vais réinvoquer toi. Hop, j'active. Je vais chercher mon assemblée Meclord. Comment t'as annulé l'effet de mon monstre? Bah en gros, Wyzel Abstention, il a un peu l'effet de Dragon Pulsar d'étoile. En gros, quand il y a un effet qui va détruire, je peux le sacrifier pour annuler la destruction. Voilà. Je vais ajouter un. Toujours pas invoqué normalement. Ah bah go invoquer lui. Oh j'aurais peut-être pu invoquer un deuxième Space Calibur. Oh c'est pas grave. Hop, activation. Ah, problème de co. Les problèmes de co, ça arrive. Du coup, Adrien, dernier BO3 de la soirée. Je vais prendre ce deck-là que j'ai modifié, que j'ai un deck vieux impair. Et ben, malheureusement, ouais. On des choses qui arrivent. Let's go. Hop, je joue en first. Dernier bleu de la soirée. Ah. Ça fait du mal de s'étirer. Hop, j'ajoute un dragon. J'invoque le pot artiste. J'active. J'ajoute le pendular. Échelle P. Échelle P. Invoque, hop, lui en position de def. J'ai déjà invoqué normalement. Invoqué, c'est tout. Je vais fin du tour. Oui, et j'ajoute à ma main un persona avec l'effet du pendule arc. J'invoque. Je vais invoquer un supérieur.
c'est ton tour. Alors ça, c'est pas cool. Du coup, je vais... réinvoquer le pendule supérieur que j'en ai envie, j'en possède l'envie. Ok, échelle P. Échelle P, j'ai dit. Je vais invoquer lui pour détruire ton monstre face cachée. Fais-le à la fonction de notre main, sauver les pendants. Ni ciblé ni détruit par des effets de carte. Ok. J'ai pas vu qui tu es ciblé. Là, fais fantruse. Ok. Du coup, je vais. Pendule invoque. Oui. Position d'attaque. Je peux invoquer qui est lui. Ok. Pas utile. Hop, je l'attaque. Prends de mon surtout que son arrivée va vous faire saut, puis vous avez... Ok. Je ne sais pas pourquoi ton effet ne s'est pas activé. Peut-être que tu ne l'as juste pas... Ah, durant la end phase. Ok, je... Attends. Lorsque c'est... Durant la end phase. Ok, je suis bourré. Ok, et c'est qui en fait? Ok, j'ai pas eu le temps de voir. Très bien, très bien. Ok, c'est lui. Non, non, non. Très bien, très bien. Hop. On va aller prendre qui flip. En soi, ce serait pas con. Du coup, ouais. Position d'attaque. Pendule invoque. Je invoque lui. Et lui. Position d'attaque. Position d'attaque. Activation d'effet. Une carte sur le terrain à cibler. Lui. Battle. Hop. Et du coup normalement j'ai gagné vu que tous mes monstres ont des dégâts perçants. Sauf si... J'ai peut-être pas gagné ce tour là en fait finalement. Ah, ok.
Et hop, dégâts perçants à cause de l'effet de venin infamé qui permet à tous mes monstres de faire des dégâts perçants. Qui est, avouons-le, extrêmement fort. Avec venin infamé. En gros, le venin infamé roi suprême, quand il copie l'effet d'un monstre, il permet à toutes. Oui, en effet. Il permet à toutes les. Aïe, il permet à toutes les. Tous les monstres que j'ai de faire des dégâts perçants. Ce qui est extrêmement fort. Et du coup, il devrait être limité à 1. On en a parlé, il devrait être limité à 1 ou banni. Parce que ça reste quand même banni ou limité à 1. Oula, c'est quoi cette main? Alors déjà ça. Hop, ajouter un monstre du impair, je vais choisir lui. Hop, échelle P. Hop, alliance des duellistes. J'ajoute lui. Ah. Échelle P. Activation d'effet. Je détruis lui. Et j'ajoute. J'ajoute. Lui. Un autre. Hop. J'invoque spécialement. Ouais, lui. Position de Tatakai. Échelle P. Pendule invoque. J'invoque un deuxième. Ok, je vais voir lui. C'est quoi son effet déjà? End phase, à toi. Non. N'active pas son effet. Ouais, peut-être dû. Et je vais invoquer spécialement celui que tu viens de détruire. C'est Léonce. Ah. Pas mal en vrai. Petite alliance de duelistes. J'ajoute le pendule. J'active l'iris céleste. En vrai, le mieux à faire c'est de prendre ça. Hop. C'est tellement actuellement c'est la meilleure strat à faire. Alors j'ai possiblement, bien possiblement, après je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme carte, possiblement gagner ce tour-là. Mais évidemment, je peux très bien me tromper. HLP. Un butin sur pendule. J'invoque le dragon pendule. Position d'attaque. Avènement des yeux impairs. J'invoque lui. Je dégage lui. J'utilise lui pour invoquer. J'invoque. Dragon de la pesanteur. Son effet, tes cartes magie et piège retournent dans ta main.
Et je vais battle. Alors, pas de dégâts perçants. Une carte valable. Tu vas prendre 4009. Ah, tu vas prendre peu. Ah, invoqué par point. J'ignore pourquoi ça ne s'est pas fait. Oui. Je crois que j'ai déjà activé l'effet de machin. Mais c'est pas grave. Alors tu dois payer, à cause de pesanteur, tu dois payer 500 points de vie pour activer tes effets. Ouais. C'est pas si fort que soit. Enfin, si c'est très fort en vrai. En vrai, ouais, c'est extra... C'est très très fort. Très fort. Du coup, ouais, je suis quand même content de mon deck. C'est pas forcément le... C'est pas... Mon deck, c'est pas forcément le meilleur ZU impair. Mais c'est un bon ZU impair. Et c'est ça qui est important. Ok. Bah, du coup, GG. Du coup, comme c'était le dernier BO3 de la soirée... Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. Ah, connectez-vous une fois par jour. Ok. N'hésitez pas à repasser, hein, évidemment. Et puis, ben, je vous dis bye bye. Allez. Bye bye. Tu as tout à fait raison. Sournalish, je sais pas. Bye bye.